Comment nous y est tout le monde, mais espérer que nous en forme, pas vrai? Non pas M. Simon Luc Charles ou Karel M. Don Simon, si vous voulez. Je dis, comme d'habitude, moi porter pour nous un document qui est extrêmement intéressant. Je connais un pile haïtien qui est en dehors des États-Unis ou bien qui trouvait en Haïti Captain email là. Parce que y a un bon proche qui est appliqué pour eux. Mais je dis, je viens de dire, est-ce que vous connaissez, en dépit de toute bonne foi, en dépit de toute bonne volonté que sponsor pas ou la rien, ça qui arrive que involontairement, pendant que vous avez rempli la forme pour l'appliquer pour vous, vous avez commis une, deux ou bien plusieurs erreurs dans la forme, ça qui fait jusqu'à présent immigration, la poireauté avec dossier pour là, et le difficile pour prendre décision ensemble avec. Attention, nous allons parler de une série de petites erreurs techniques, tant que nom qui mal écrit, ou sinon email qui était mal écrit, etc. Nous allons parler d'une série de erreurs fatales que yon moun ka fait dans formulaire I-134 là, qui a voué par immigration, leur fait demande pour yon bénéficiaire qui a appliqué pour lui. Donc, ou même qui gen yon mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois même depuis que vous avez appliqué pour, et que patience ou bout, ou attendre pour email la vini, m'a dit ou, posez, faites tout fret, parce que sincèrement parlant, ou très chanceux toujours, parce que gen moun qui pa une chance qu'on gen, gen moun, actuellement là, yo voye un email ba yo et yo di yo que dossier pa yo a yo deny li. Ça veut dire yo refusé demande sponsor que yo te fait pour yo a dans cadre programme payroll ça que gouvernement américain a mis. Donc ouais, ou même ka fait tête chaud ka ba tête au problème, donc pas paniquer parce que au moins ou même ou gen espoir toujours tout en gen tête espérer mettre chapeau. Donc, vin avèm et je dis à me pral montre sou computer là, yon exemple erreur que yon sponsor capable faire dans formulaire I-134 là, par exemple ça c'est formulaire I-134 là, me pral montre li là en grand plan sou computer moyen là. Alors, dans page 6 formulaire, li gen yon tab ki yo ba ou. Et côté en lè dans numéro 18, yo di ou mettez toute information concernant tête pao à tout dépendant et n'importe l'autre individu que vous supporté financièrement. Maintenant, on imagine un sponsor qui fait 35 000 $ américains par année. Il a demandé pour l'ajouter information concernant lui-même, concernant moun que le financer et information tout concernant tout dépendant que le gain. Et puis il dit combien moun sa disposé pour bénéficier ça chaque année. Et c'est là gen moun ki konn pran an piège. Par exemple, moun nan konnen li fait $35 000 américains par année. Li an ik wè ba la di par année, yo mande l combien kòb li disposé annuellement pour bénéficier ça k'ap vini an. Li mete li disposé $35 000 américains par année. Ça si on nan confusion grave ki kapab on ti jan brouye officier dans immigration et li prend dossier pour là, li mette le pending en attendant peut-être que gon décision qui capable prendre avec lui puisque son programme humanitaire quand bien même. Donc gan pile erreur qui capable commettre dans formulaire I-134 là qui fait que jusqu'à présent ou capable à patienter et ou pas jamais prendre une décision avec case pour là vraiment. Si ou gen doute sou yon bagay ki ou a fè, chèche un moun ki ka bò lumye la dan. Sa pa rien, sa pa fè ke ou pa intellectuel pou ça, sa pa fè ke ou pa intelligent pou ça. Donc si ou ap tann email la jodi a, conseil pa m pou ou pare de bra kwaze. Al gade nan dossier pou wè si pa gen erreur ki te pase la dan. Même bon Dieu di ou, même nan ciel ou pou ale, gen effort pou fè. Si ou frape, ou ap jwenn. Donc c'est ti vidéo ça que me dépouré pour nous jodi a, mais espérer que information était nécessaire et nous t'édifier. M'a dit nous bye bye et à la prochaine. Ciao.